Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ark Nomade en compagnie d'un pilote d'avion de chasse. Apparemment, voilà, j'ai fait la tenue complète du désert, je l'ai réparé, tout ça, mais j'ai pas fait que ça, les amis. Elle crève la dalle, elle est pénible. D'ailleurs, je vais aller faire ça, ça fait un moment que j'y pense. C'était tout con, mais fallait y penser. Ah oui, si, si. Non, parce que j'en ai marre. Elle a tout le temps soif, elle a tout le temps faim, donc on va manger de ça un petit peu, ça va lui faire du bien, elle aime bien. Ça m'a ramassé quoi, des branchages, tout ça. Alors, aujourd'hui, le programme va être d'aller tamer des Argentavis. Mais, un Argentavis, du moins, ça sera déjà pas mal. Mais d'abord, je vais vous montrer ma base. Je l'ai avancée. Alors, attendez, on va enlever les écritures, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, notre paracer, il est content. Hein, comme d'habitude, il n'a pas l'air, mais il est content. Donc là, on rentre dans le cockpit. Dans le, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le truc, enfin, voilà, pour conduire le paracer. Alors le problème, c'est que je me suis, comment, je me suis bloquée dans ma base, hein, tout simplement, comme une guiche, parce que, bah voilà, en fait, si vous descendez du paracer, bah vous êtes bloqué, hein, tout simplement. Bon, on est protégé, au moins, on ne pourra pas se faire attaquer par des micro-raptors ou je sais pas quoi. En tous les cas, on sera protégé. Donc du coup, j'ai dû faire une trappe. Voilà, il y aura la trappe pour sauter du paracer ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis des vitres, les amis. Hein. J'ai mis des vitres pour qu'on puisse voir un petit peu dehors. Je pense pas que ça joue sur l'effet de chaleur ou quoi. Donc j'ai mis aussi des vitres pour qu'on voie le joli ciel étoilé, par exemple. Et aussi pour qu'on voie à l'arrière un petit peu ce qui se passe. Voilà, là on voit la tour et tout. C'est super beau en vrai. Hein. Je viens juste de finir, donc j'ai pas eu tellement le temps de regarder. Ça va rendre bien, on pourra voir les. Bah non, mais nous on pourra pas. Mais si un jour on a un passager, on sait jamais. Il pourra voir notre caravane qui suit, hein, tout simplement. À moins qu'il y ait un pilotage automatique sur mon paracer, mais je suis pas sûre. Et j'ai aussi mis des lumières, voilà. Parce que bah, dans le noir c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà. Alors j'en ai pas trop mis parce que ça fait de la chaleur. Donc il y en a une là, une à l'entrée, une là, justement. Là. Voilà. Histoire de ne pas être tout à fait dans le noir. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Et une sur le haut du truc. Qu'est-ce que ça donne de loin là? C'est sympa, hein? Non? Ah, regardez comme c'est sympa! Mais même moi, j'avais pas vu, hein. C'est pour ça que je suis contente, mais j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup l'idée. On me voit là. Elle est contente ou pas? Et pourquoi il avance pas, lui? Attendez, oui, je suis bien. En... D'accord, t'as une caméra K, d'accord. Qu'est-ce que c'est le problème? Ça veut pas dire que je conduis, c'est ça? J'avais pas capté. Tu n'avances plus. C'est trop lourd? Ah non, il est trop lourd, c'est rien. Bah, il est trop lourd. Ah bon? J'ai rien rajouté des. Ah bah le bois. En fait, ça compte ce qu'il y a dessus, quoi. Non? J'ai l'impression, en tout cas. Si je te vide un peu, parce que là. Trop de bois dans mes. J'ai rajouté énormément de bois, justement, là-dedans. On va peut-être en jeter un peu, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être moins de. Niveau poids, c'est descendu. Ah ouais, c'est ça, quoi. Bah, éteins la lumière. Éteignez la lumière parce que voilà, ça s'accroche aux portes, bizarre. Ah ouais, ça compte ce qu'il y a dessus. Ah. Bah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué quand on aura 50 000 métal. Là, je m'en fous, le bois, c'est pas le plus dur à ramasser, hein, c'est pas le problème, mais. Ah, dommage. Je suis déçue. Voilà, ça devrait être bon là quand même, non? J'ai pas rajouté 50 000 trucs, à moins qu'il ait vraiment un problème, lui. Oh non, là c'est bon. Ok, c'est bien ça, c'est pris en compte. D'accord, et faites voir du coup quand on avance maintenant. Ouais, mais j'ai plus ma lumière. Attendez. En vrai, c'est hyper sympa par contre, j'aime bien ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire, mais j'aime bien ce que j'ai fait, quoi. Ça ressemble à rien. Non, mais j'aime bien ces 10 champignons en haut, là. Il ressemble tellement à rien, ce truc. Que voilà. En plus, j'ai fait une sorte de petite cheminée en bois. Ça a rien à voir, mais c'était pour faire un pilier, quoi. C'est sympa. Pas trop qu'il aille trop loin, mais c'est sympa, quoi. Ah, genre, en caméra K, tu bouges la tête dans la direction que je veux, quoi. D'accord. Bah, mets-toi là, alors. On va faire un petit screen. Je veux voir mon perso, par contre. Je veux voir la tour et le perso. Ça va être compliqué. Alors, on la verra pas, la tour et le perso. Si, dans ce sens-là. Non, pas mon perso. Non, celui-là, c'était joli avec la tour derrière, mais. Et toi, si tu te mets sur le côté, un petit peu. Un petit peu comme ça. Ah, là, c'est bien. On dirait qu'il regarde la tour, non? Bon, on s'en fout, en vrai. Voilà. Donc, c'est bon. On va pouvoir partir aller. Alors, du coup, il va falloir que je chope tout le monde qui suive la caravane, parce qu'on va partir avec lui. Faut que je fasse. Ah, putain, j'ai jeté mon bois, moi, comme une débile. Vas-y, donne. Hein. Donne.
Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse. J'aurais peut-être pas ce qu'il faut. Faire des pièges en bois. Alors, comment je fais mon piège, moi, pour l'argent de ta vie? Dino porte? Porte? C'est chiant, tout change. Les noms, les trucs. Non, bah non. Ouais, c'est ça, mais porte du géant du bois, quoi. C'est peut-être pas le géant du bois. Mais voyez, les noms, ils font chier. Hein, vraiment. On va peut-être se mettre en anglais en vrai, hein, mais bon. Donc, bois, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est juste ça en fait, c'est passerelle en bois et porte en bois. Ok. Ça, pour l'argentavis. Ouais, ça pour l'argentavis. Alors, il faut combien? Bah, il faut du bois, quoi. Du bois, de la fibre, du branchage. Je vais peut-être me mettre à côté d'un rien du tout pour l'instant, mais. On peut déjà faire la porte, quoi. Ah oui, il y a de la pierre. Bah, je vais faire quatre trucs comme ça, de toute façon. Bon, non. La sortie, c'est par là. La sortie, c'est par là. Bon, on se fera mal à chaque fois, mais bon, écoutez. Pas bien grave. Donc, pierre, bois, on va se mettre là. Ouais, ouais, pierre, bois, on va se mettre là. C'était pas non plus le meilleur truc, quoi. C'était pas le meilleur truc à la fin, elle. On voit pas qu'elle mange, mais elle mange en tapant. Hein. Oh, c'est peut-être bon. Là. Donc, pierre, bois. Bois, j'en ai pas assez, sérieusement. Oh, attends, on a fait une porte, alors. On refait une porte, alors. Donc, il manquera branchage bois, quoi. Ok. Est-ce que je vais pouvoir avancer, moi, maintenant? Ça, tu peux y foutre en l'air. Ça, tu peux y foutre en l'air. Je vais y récupérer. Si je peux. C'est de la pierre, ça? Donne-moi du bois. Voilà, donne-moi de la pierre. Ok, bah je fais ça, pardon. J'avais pas préparé mon truc. Et on part du coup chercher un argentavis avec tout le monde. Hein, on va déplacer la caravane aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on est là. On se déplace. On est prêt, normalement, c'est bon. Et lui, il va avoir du mal à avancer, mon paracer. Hein. Enfin, peut-être que j'en mette dans d'autres personnes, hein, ça, c'est pas grave. Hein. Bon, tout le monde va suivre, normalement, c'est bon. J'espère. J'espère que ça va suivre. On va se déplacer vers une... Vers une montagne. Hein. Les endroits où il y a des argentavis, il y en a un peu partout. Au niveau des... Un petit peu quand c'est en élevé comme ça. Par exemple, je suis sûre qu'il y en a, mais je pense... Enfin, non, je suis pas sûre sur celle-là. Pas sûre sur celle-là, on n'en a pas croisé, je crois. Ouais, t'es un peu lourd, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que est-ce qu'ils vont vraiment suivre correctement tout le monde? Si sa coche, normalement, est à la fin, comme je vous dis tout le temps, c'est que c'est bon. Sa coche, c'est le dernier. Hein. Il ferme la marche. Alors, il va falloir que je récupère un petit peu de bouffe quand même pour moi. Je vais peut-être poser des trucs dans d'autres dinos, parce que le paracer, il a du mal. Le paracer, il a du mal. Hop. Toi, tu peux porter, toi. Si je te mets les portes, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Capable de les porter de toute façon, ça pour moi. Parce qu'il a faim, mon perso, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça commence à être chiant. Ok, ça on s'en fout, ça mange, vas-y. Fais-toi plaise, remplis-toi. Ça va vite, hein? Ça va vite. Allez, on y va. On avance, on avance. Je vous fais de la place un petit peu. Il est toujours très lourd, mon paracer. Mais après, bon, il n'y a plus rien de... Il y a ça qui fait 10 kilos. Il y a ça, s'il veut. Ça, peut-être, si ça t'embête. Allez. Arrête un peu d'être lourd. Là, j'aurais dû te mettre en poids, hein. Bon, c'est bon, tout le monde suit. Alors, le plus chiant va être le doigt, hein. Il suit quand même, mais... Voilà, quoi. Ça doit? Ouais, ça suit. Ça suit bien même. Manque de Rex et tout, mais ça suit quoi. Regardez à la fin où ça coche. Vous voyez ça coche au bout? Ah bah le dos est dit, il est pas chiant en vrai, il suit bien. Ah j'aime bien. Hop, j'aime bien mais on est bloqué. Ok. Bon. Argentavis, c'est vraiment pour le cristal et tout, mais en vrai, cristal maintenant, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Histoire de dire qu'on a un argentavis, quoi.
Ah si, de toute façon. Alors, il faudrait que je regarde ce qu'il faut pour craft des grenades et tout, hein, pour les nouvelles bestioles. C'est vrai que ça, je m'en... Alors ça, sur Ark, j'ai fait du PVP 2 fois dans ma vie. 2 ou 3 fois. Et c'est pas moi qui les craftais, hein, les grenades, donc bon. À l'époque. Après, en courant, normalement, ils les cassent, hein, les armes, mais bon. Bref, il vaut mieux les taper, ça ira plus vite. Je préfère leur faire un espace parce qu'ils sont un peu concons. Et je suis sûre qu'ils vont avoir du mal à suivre. Là, pour l'instant, ça va, mais à un moment donné, on va les perdre, quoi. Allez, en avant. Ah bah, je vous reprends. Sympa, ouais, même l'intérieur. Je vous reprends quand on est un petit peu plus loin, parce que c'est un peu long, hein. C'est une caravane, hein. Faut la déplacer, hein. Alors, je sais pas trop où on va s'installer pour le coup avec elle, là, pour l'instant, mais. On se redirige vers les montagnes, quoi. À la recherche de l'Argentavis. J'ai carrément oublié de leur faire leur gamelle. Ouais, ils galèrent à se suivre, hein, c'est rien. Enfin, pas ils se galèrent, mais regardez. Sa coche et tout était en arrière-plan, là. Je leur ai enlevé la... qui ramasse les ressources, parce que sinon, en fait, ils vont se remplir, ces cons-là. Et du coup, ils vont se retrouver avec trop de... Les trucs sur le... Voilà, les récoltes, tout ça, ils en ont pas besoin. Si j'ai besoin de viande, j'irai chasser. Hop. Parce que sinon, ils vont finir trop remplis. Ça va être chiant. Ils vont faire que de ramasser. Là, par exemple, le doigt, il était complètement rempli. Donc, bon. Il a dû taper de la pierre en se battant. Je suis en train de perdre ma voix, quoi. Pas facile. Hop. Hop. Voilà. Je leur fais leur gamelle quand même, parce qu'on avait ramené du métal, normalement. Si je me trompe pas trop. Ah. Si je me trompe pas trop, il y a du métal quelque part. Je l'ai pas fondu, donc il est quelque part. Après, où? Bonne question. Où est-ce que j'aurais pu le foutre? Est-ce que j'ai mis mon métal? Où est-ce que j'ai mis mon métal, moi? Ah, c'est certain que je l'ai transféré. Ou alors je l'ai jeté. Sérieux, si j'ai jeté le métal, c'est dommage. Bon, bah tant pis, vous avez pas de gamelle, hein? Là-dedans, j'ai jamais rien mis. Je crois que je l'avais mis dans le paracer, mais comme il était trop lourd, j'ai dû jeter. Pas sur moi, hein? Non, bon, bah tant pis. Allez, hop, je continue. On en est à là. On en est à la faille. La petite faille un peu chiante, là. On va devoir un peu contourner. On va peut-être aller vers la ruine, là, tiens. Se poser. Je pense que ça peut être un bon endroit. Attendez. Si j'arrive à passer, si on arrive à passer, hein, parce que les connaissants, il y en a qui vont tomber dans le trou là. Elle a la faim, c'est sûr. Elle a toujours faim. La faille là en bas, c'est bien. J'avais fait, je sais plus si j'avais fait une base dedans une fois. C'est pas mal. Je crois qu'il y a même un petit point d'eau dedans, si je dis pas de conneries. On va essayer de passer par là. Ah, oh, ils vont pas tomber là quand même. Il y a personne qui est trop petit pour tomber là. Si. Ils sont peut-être trop cons, peut-être. Ça, c'est autre chose. Après, trop petits, peut-être. Peut-être pas. Mais peut-être bêtes, oui. Prends peut-être un risque. Prends peut-être un risque. Vous voyez le Carnot? Ah, il est tombé. Non? Ils s'en sortent? On va essayer un maximum qu'ils viennent là, hein. La coche et tout, je suis pas sûre. Bah écoutez, on essaye, hein. Le qui et tout ça, j'ai l'impression qu'ils sont tombés, hein. Sérieux? Vous allez me faire le coup que vous êtes tombés? Alors qu'on était à la destination? Je voulais me mettre là vers la petite ruine. Aller ramasser le loot aussi. C'est bien possible qu'ils soient tombés, je vais aller les chercher, hein. On va aller les chercher, mais bon. Il va pas tout de suite, ils se défendront parce que moi je veux tamer un Argentavis. Les bulles raptors, hein, vous inquiétez pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'antidote. L'obsidienne si vous voulez. La poudre à canon si vous voulez. Ça peut aider. Voilà. Non, bah peut-être pas en fait. Ah, peut-être pas l'obsidienne, on s'en fout un peu. Hein. Vas-y, mange, ça te fera moins de poids.
Je vais voir où sont les kills, Smilodon et tout. Ça se trouve, je peux les débloquer, hein, mais bon. Et là-dedans, il y a des notes ou pas? Ouais, il y a des notes, mais le problème, c'est que je peux pas marcher dessus avec mes dinos, quoi. Ah, ça aurait été cool pour le paracer, pour lui mettre beaucoup de poids, du coup. Ok. Je vois le problème. Le problème, c'est que la hyène, je pourrais rien y faire. Là, vous pouvez remonter. Vas-y, venez. Là. Alors, vous, vous êtes sauvés. Par contre, la hyène. La coche. Sérieux, vous pouvez passer, là. Là. Faites un effort, regarde. Et lui, il est vraiment bloqué, quoi. Définitivement, je pense, hein, parce que clairement, il n'est pas tombé. Il y a moyen de passer là. Peut-être qu'une hyène passe pas. Hein. Il y a un pont là-bas. Ce qu'on va faire. Ça coche là, la deuxième hyène, tant pis. Hein. Ouais, je sais pas. Non, je voulais reprendre le jarboa, mais. Elle venait là. On la reprendra, la hyène, un jour, peut-être. Sinon, elle avec un pas être si bête. Peut-être fait c'est bon, toi. J'avais oublié. Allez, viens. La coche? Allez, venez. Je peux peut-être marcher avec mon paracer dessus, hein, mais. Ça coche? Passe par là, il va peut-être arriver. Écoutez, démerdez-vous. Allez, le paracer, marche sur la note. Genre, on peut pas avec le paracer. Il est dessus, là, c'est sûr. Faites voir. Il est dedans, hein. Regardez. Il y a sa coche qui arrive. Il la piétine, hein, presque. On pivote un peu dans l'autre sens. Attends. Voter dans l'autre sens. Allez, piétine là. Non, ça veut pas avec le paracer. C'est chiant parce que lui, il a besoin de niveau, quoi. Bon. Reste là. Je pouvais peut-être descendre en vrai, mais bon. Ça fait quand même mieux que ça. Ok, bah restez là pour l'instant. Du coup, la hyène, on la laisse. Hein. Et toi, alors, peut-être lui, il peut prendre des. Attendez, si on tous le suivre. Vu que c'est le deuxième de la caravane. Est-ce que lui, il pourrait pas prendre un level? Il pourrait pas prendre des levels encore. C'est au pire, je lui mets en lui un poids. Hein. On lui fait porter des trucs. Hein. Ah, bah lui, il l'a prise. Elle a fait laguer, mais il l'a prise. Voilà. Bah, c'est bien. Bah, attendez. Je le fais un peu monter en level si je peux. Qu'il tape des arbres et tout. Ah, mais par contre, sans récolte, je sais pas si ça va marcher. Ça marche ou pas? Je vois pas en haut. Non. Ok, bon, bah il prendra pas plus de level, hein, le baril. Du coup, je vais prendre le ki, normalement. Pff, un rapace, t'as combien, toi? Ouais, non, t'es pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Bah, on va garder le ki, c'est une valeur sûre. Alors, par contre, le ki, c'est bien, mais qui le suit? Qui le suit? À toi, déjà. Et c'est tout? Ah ouais. Par contre, Lucky, nanana, viens. Ah, c'est pas plus mal que vous soyez les deux derniers, vous. Lucky, tu me suis à moi. Allez. Bon. Écoutez, je vous reprends dès que je trouve un Argentavis. Ça va être dans le coin là ou un peu plus loin. Il y en avait. Hein. Il y en avait pas mal. Et puis, rip la hyène. Hein. Et d'ailleurs, on avait perdu le bébé Smilodon. Hein, au cas où, bah, je pense que vous avez vu. Il est décédé. Hein. De mort. Bah, d'un décès d'une crise de mort subite, en fait. Mort subite. Alors, des Argentavis, il y en a là. Où je suis, hein. Attendez, je vous monte après. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont. Peut-être fait un peu grand, hein, pour le coup. J'ai peut-être vu un peu grand pour des Argentavis, mais. Hop. Je fais ça bien, moi. Je vois pas trop. Le qui, attends. Non. C'est gênant. Ah oui, pour des Argentavis, c'est largement suffisant, mais en fait, il faut que je quand même que je fasse des petits trous pour pouvoir leur tirer dessus, quoi.
C'est peut-être un peu gros ça. Ça, c'est peut-être un peu gros comme trou. Ouais, je connais, je suis sûre qu'ils vont passer à travers. J'ai jamais de chance avec ça. Chaque fois, je me fais avoir quand je fais des pièges, donc. Mieux de faire. Voilà. Moi, je passe ma tête, mais pas eux. On est où là? C'est pas très droit tout ça. Je sais pas ce que j'ai glandé. C'est pas grave. Il passe pas. Hein. Hop. Bon. Ah si, moi je pourrais tirer. Hein. Je me suis bien embêtée. Juste pour un argent, juste pour des argent à vie, je me suis bien embêtée. Normalement, je fais pas ce piège-là. Hein. Alors j'espère que ça a fonctionné pour le coup. Moi je passe là. Ah mais lui il passe aussi. Non? Bon, on verra bien, écoutez, on verra. Du coup, toi. Attends, 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 je te connais. Passif. Je te connais passif. On va casser ça. On va tuer lui. Parce qu'il va nous saouler. Voilà. Et on va essayer d'aggro l'argente. J'ai faim. Elle a toujours faim. Alors elle, a un problème avec ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours faim, quoi. Qui? Quoi? Alors, heureusement que je t'ai mis en passif, hein. Alors, on va les tuer plus loin. Oula, ça a lagué. La famille de Morellatop, ça va? Parce qu'il faut que je tue des hyènes sans tuer l'argente. Possible. C'est le camp. Allez, tirez-vous. Allez, foutez le camp. Ah bah, il y a deux argentes. Alors, c'est bien, hein? Juste qu'il me lâche un peu, mais. Ah, c'est bon, ils m'ont lâché. Par contre, ils vont peut-être se faire tuer. Qui encore? Mais il y a encore des lézards? Mais c'est pas vrai, foutez le camp! Ouais, puis là. Voilà. Je t'ai pas tapé, l'Anki, hein. Ok, les Morellatops se pointent là. Non! Foutez le camp! Oh non! Putain, un peu plus, ils tapent mes structures! Et vous calmez, hein? Bon. Argentavis. Il y a l'autre, là. Alors, le qui, s'il te plaît, passif? Pourquoi t'écoutes rien? Autre option? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Autre option, hop. Non, pas du tout. Ça, c'est chiant, leur truc aussi qui marche pas. Hop. Tiens, non. Passif, tu vas pas non plus fuir, mais il est où l'argente? Les bonnes flèches? Ouais. C'est lui, je suis sûre que c'est lui le meilleur. Jamais, jamais je le touche là. Bah non, c'était sûr, bon, descend. Alors pour les bons tireurs, je suis sûre que vous y arrivez, vous y arrivez, vous. Et là. Ah, ça lui est passé à côté d'une plume. Ah, il y a l'autre là-bas, sinon. Oh, peu importe, de toute façon, il m'en faut un. Hein. Arrêtez de vous envoler, vous êtes chiant. Viens là. Viens. J'ai pas vu le level. Je vois pas. Bon, viens. Je vois pas quand je me retourne, j'ai pas le temps de lire en fait. C'est pas grave. Y'a que moi. En fait, les Morellatops, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec les structures humaines. Rentrer là. Yeah. Mais tu peux pas ressortir, on est d'accord. Level 20! Ouais, bon, c'est vraiment pour dire. Hein. C'est pour dire que tu m'embêtes pas et puis ça me fera deux argentes. Hein. Au cas où. Parce qu'on sait bien à quoi ils vont servir, les Argentavis aussi. Aller chercher des œufs de wyvern dans la faille. Donc bon. Ah ouais, par contre, tu peux t'envoler. Je suis un peu con, moi. Ouais, j'ai pas pensé au toit. Je suis sûre que vous y avez pensé, vous. Voilà, fais dodo, mais t'es à moitié mort. Hein. Ah, et en plus, il y a des trucs vers toi. Attends, bah reste par là, c'est pas grave. Ah oui, il n'y a pas de toit, mon piège. Donc bon, c'est bien, ça les bloque. Ouais, ça les bloque le temps que je puisse leur mettre des flèches, quand même.
putain, il y a Morella Top, je l'ai vu. Je l'ai vu, hein. Il s'est énervé d'un coup. Hey. Oh, pas non. Écoutez le camp, bande de saleté, va. Psychopathe. Malade, va. Le kit est gentil, tu donnes. Parce que bon, la bestiole, là, elle va pas très bien. Hop. Voilà. Allez, mange. Alors, j'ai pas fait la technique qu'on m'avait apprise, c'est-à-dire d'attendre qu'il ait vraiment faim pour que d'un coup ça monte à fond. Est-ce que je peux choper celui de là-haut, là? Bah non. Pas d'ici, en tout cas. Bah, il y est plus? Monsieur? Bah, il y a bien un argentavis là-haut. Posé, non? J'ai rêvé. Ah non, il y était. Ouais, il était bien là. Justice barre, quoi. Après, plus ils vont loin, plus c'est chaud, quoi. Ça faut les ramener sans se faire bouffer. Il veut bien se reposer. Je suis sûr qu'il est au level. Allez, celui-là, il est au level. On y croit? Parce qu'il a l'air chiant. Hein. Il tourne. Hein. Il veut pas se faire voir. Hein. Elle a encore faim, elle est chiante, elle aussi. Je parle de l'argentavis, mais elle... Allez, viens! En vrai, je verrai après. Si vous êtes encore en vie, je vous prends. Je vous porterai des trucs pour Monsieur le Paracer, il pourra pas tout porter de ma partie. Le problème, c'est que si tu te déplaces n'importe où, tu vas te faire bouffer par un carnot là-bas. Hein. Ouais, il veut pas descendre l'argentavis là. L'autre, il est bon. Oh, il y a un vautour. J'ai pas de viande avariée. Attends. Ah ouais, parce que ça, c'est une saloperie, ça. Je crois qu'il a tué le bébé Morella Top. Ah, oh, puis il chope le vautour. Ouais. Écoutez-moi le camp. Désolé, vautour. Oublie-moi. Par contre, n'oublie jamais. Fous-moi le camp. J'allais dire, n'oublie jamais que je t'aime, mais... Il y a l'argentavis qui est par terre et le vautour qui va nous saouler. Non, je voulais te prendre, fais pas chier. Je t'ai sauvé la vie. Oh, il m'a lâché. Bon, l'argentavis. Le bébé carnot, je le prendrais bien. Ils sont quand même bien en défense et suivent bien les carnots, ils sont pas chiants. C'était beau. Bien joué. Bien joué, dépêche-toi. Là, je te touche en vrai. J'arrive, hein. Mais... Qu'est-ce qui m'attaque? Quoi? C'était pas toi qui m'attaque, je crois, mais. Dans le doute, hein, je m'en vais avec lui. Bien. Juste n'attaque pas le ki, c'est interdit. Le ki, tu vas là. Hop. Et l'argent, si possible, on va. Attendez. Viens là. Tu m'énerves. Bouge pas. Sérieux, je t'ai loupé. Mais sérieux, je te loupe! T'es devant moi! Dans ton œil, j'ai pas vu son niveau. Peut-être pas trop courir vite non plus. Hein. Peut-être courir un peu quand même. Cours, n'hésite pas. Hein. Il est pas très mal, donc je pense qu'il est pas au level. Excusez-moi. Non, non, viens. Ah, level 10, quoi, tu pues. Ah bah tiens. Tu pues tellement qu'il y a un carnot qui va te mordre. Bon. Ah! Non! Pas moi. Puisque c'est comme ça,
Non, il est nul. Non, non, mais on va le garder l'autre, tant pis. Hein. Il est nul et bon. Ah, les carnots, ils m'énervent un peu. Bon, du coup, ça a dû énerver les ankylos. Toi, viens. Je vais se calmer ou je les bute, hein, les ankylos. Allez, viens. Ouais, j'en étais sûre que je n'allais pas vous calmer. Alors, les bébés, ça serait bien en fuite passive, hein, mais... vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Hop, allez. Tu me gênes. T'es dans moi. Ah. Ah, attends. Si jamais on croise un vautour sympa. Ah mais oui, c'est vrai que le ki ramasse plus rien. Attends. Épouse-toi. Il a bloqué le ki, ce con. Bon, on est bien, tiens. Où le camp? Ce qu'on va faire. Je vais venir le carnot, il va être bloqué, non? Non, ça... Hop. Ils veulent quoi, eux? Non. Non. Il n'y a pas un que je peux faire les imprints. Hein. C'est des imprints un peu chiants, les deux. Hein. On les suivait. Suivez, on va chercher notre argent à vis. Hein. Tant pis. Hein. Je suis ferai prendre des levels. Hein. Ah, c'est dommage. Dommage que sur les deux, il n'y en avait pas un de bon, quoi. Enfin, pas un costaud. D'ailleurs, il est toujours dans le piège, l'autre. J'imagine que mon piège est cassé. Ah, non, par contre. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Mais arrête d'attaquer. Oh. Viens. Il nous vient. Viens. Viens, suis-le qui vient. On va te réparer à la maison. Allez. Voilà. On se retrouve avec encore un carnot et... Et un Morella Tops, mais... C'est dommage, le vautour. Je pense qu'il est mort. Il est parti attaquer je sais plus quoi. J'en aurai jamais de vautour, c'est triste. Allez, on se rentre. Bon, le de l'argent, il est assez rapide. Le truc, c'est qu'il faut que je lui mette en vitesse, en poids, en vie. Il va jamais pouvoir prendre tous les levels qu'il faut, quoi. Non, mais j'en reprendrai un autre. On est d'accord, hein. Celui-là, à la limite, je le mets un peu en... Oula. Après, comme je dis, j'ai peut-être pas besoin de tant de cristal que ça. Qu'est-ce que j'avais regardé justement pour les grenades, pour ceux qui se posent la question. Poudre à canon, donc métal, il nous faudra. Mais j'en ai plein. Poudre à canon, métal, etc. Mais en vrai, on n'a pas besoin de tellement de cristal ni rien. Mais bon. Je cherche l'endroit où je suis passée. Parce que j'ai fait sauter le ki, d'accord, mais les petits vont pas sauter. Hein. Là. Je pense que là, vous passez, là. Ok, bah voilà. Rondement mené. Bah, dommage qu'il soit un peu bas level, quoi. Je lui fais sa selle et puis c'est bon. Hein. Alors, du coup, ce qu'on va faire... sa coche, il est où? Ah oui, je l'ai laissé là-bas. Ce qu'on va faire, attendez. Est-ce qu'il faut trier, là? C'est du tri, hein. C'est du tri. Toi, t'arrêtes. Toi, t'arrêtes. Vous arrêtez. Toi, t'arrêtes. Hein? Donc toi t'arrêtes, le petit Morella Tops il est où? Il est déjà coincé quelque part, non? Alors du coup, qu'est-ce que t'as toi? Ce que je pensais. Toi t'es nul, ça t'es nul. Ça m'arrange pas. Hein. Un peu nul partout en fait, c'est compliqué là. Au moins que t'aies des PV. Quoi. Un peu de vitesse, un peu de poids. Ouais. Écoute, on va essayer de te faire monter en level. Hein. Qui est. Ouais, c'est toi qui est gênant là. Alors, remettez-vous à votre place. Je lui fais ça, celle-là. Normalement, j'ai ce qu'il faut.
Donc c'est fibre, peau, kératine. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Ah, peut-être pas si c'est vraiment de la kératine. Je la jette à chaque fois. Ça serait dommage hein, si ça prend pas la chitine. Mais je pense que ça va pas la prendre. C'est sur nous. D'être sur nous, donc. Ah, ça fait chier, je sais que j'en ai jeté, quoi. T'en jamais. Ah non, celle d'argent à vis, ok. Non, ça prend en compte. Ok, chitine, kératine. Heureusement, parce que j'allais me dire merde, j'ai tout jeté, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Hop. Ah, dommage, j'aurais dû prendre la note avec lui, du coup. Oh, c'est pas si grave que ça. Il y a beaucoup trop d'écriture, hein, par contre. Et à la fin, il y en aura tellement. Ce que je vous dis, hein, j'ai pas fini. C'est sublime ici, non? Franchement. Oui, je m'arrête à chaque fois pour dire que c'est sublime, mais je trouve que le jeu est tellement beau. Vous êtes toujours là? Oui, c'est bon. Alors, hop. Ouais, hein. Ça va pas être facile à faire monter en level, hein. Déjà régène tout ça là, parce que tu pars pas comme ça quoi. On va pas partir comme ça. Bah écoutez moi, ce que je vais faire pour la prochaine, c'est lui faire monter ses levels au maximum, donc taper des arbres, etc., etc. Ça va pas être la joie, donc je le ferai sans vous. N'hésitez pas à marquer vos tours en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Non, oui, si, vautour. Non, c'est bien vautour. Vautour, parce que je voulais un vautour et j'en ai pas eu, donc voilà. N'hésitez pas à marquer vautour pour cette fin de vidéo. Sublime, hein? Et puis nous, on se dit à bientôt. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Oui, je m'égare. En fait, je pars dans un truc, je pars dans un autre. En ce moment, c'est quelque chose. Hein. Allez, ciao. Vautour. Vautour. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres. Et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao!